right turn wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Salut à tous, alors moi c'est Jordan Sanchis et Alexandre Lubchenko. Voilà, donc on est tous deux patineurs, donc on danse sur glace avec notre partenaire respective. Donc pour moi Mathilde Diaz. Et pour moi Sarah Robert-Sifaoui. Mais on a aussi un petit plus, c'est qu'on patine tous les deux ensemble pour faire les comptes, pour faire des acrobaties, des super arrière, des Spécificité tous les deux de la danse sur glace et du patinage acrobatique. Alors, spécificité, donc la danse sur glace, donc c'est un sport peu connu, parce qu'on a plutôt tendance à connaître le patinage artistique. On voit Brian Joubert, Florent Modio sauter et tourner, sauf que nous on fait de la danse sur glace, donc à deux, en couple. Et donc ça va être plutôt de la glisse, on va chercher des éléments chorégraphiques, donc bien plus difficile à comprendre et à juger. Mais voilà, donc c'est cette spécificité-là qu'a la danse sur glace. Ensuite, pour la danse, le patinage acrobatique. Alors là, c'est du grand freeware. C'est vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Ouais. C'est libre, donc c'est que le bonheur. Et ça tombe bien, parce qu'on est libre sur Radio Campus, donc on peut faire une démo. Voilà, on va faire une petite démo. Allez. Pour voir. Allez, bon, il dit que ça passe. Ok, est-ce qu'il va casser le... Si je casse, voilà. Okay. Petite démo de... Tu vois, comme ça. Ouais, tu vois, ça passe. Nickel. Par exemple. Voilà, c'est juste un petit... C'est une infime partie de mots. Ici, c'est un peu difficile. Et sans vitesse, et sur glace, on fait beaucoup de trucs. Voilà. Ce mot, c'est pas juste celle de rire. Comme vous pensez, comme normal, comme fait, comme de l'aura. Deux variations aussi, avec pomp, je vais le faire pomp, et faire front flip, j'ai un peu aidé à 8, et aussi le salto, mais c'est très haut, je pousse, paf, et voilà. Il vole. Et donc pour terminer, présentez-nous un peu ce club, l'association Bordeaux Sport de Glace. Ah bah, avec plaisir, un club déjà génial, qui nous permet de pouvoir faire ce qu'on fait. Donc une grande chance, parce que je pense pas que c'est dans n'importe quel club qu'on aurait eu l'opportunité de faire ça. Et donc un club de danse sur glace et de danse synchronisée, et de patinage synchronisé, je vais y arriver. Donc voilà, vraiment un club où financièrement, c'est vraiment, ils ont des capacités à pouvoir vraiment aider les patineurs. Donc vraiment un club... Comment dire ? Formidable. Ouais, voilà. Faut dire de plus. Avec surtout des gens dans le bureau vraiment qui vraiment s'y donnent à fond. Donc vraiment, on manque de rien avec des profs tout aussi géniaux. Pierre Baudouin, Nicolas Berger. Voilà, donc. Cela vous permet d'être en équipe de France. Et effectivement, donc c'est grâce à toute cette structure qu'on a réussi, que personnellement, ça fait 10 ans maintenant, et que je patine là et qui m'ont réussi à m'amener jusqu'en équipe de France junior. Et lui en équipe de France senior, donc c'est un club qui ne jalouse aucun d'autre, parce qu'on a vraiment à Bordeaux, on a vraiment un vrai club de danse sur glace. Donc faut venir, parce que y a pas mieux.